C'est marrant hein, parce que ça veut dire que ils ont tous cette formation là. Ils ont tous été taillés à ça du sol. Oui. En fait, volontairement pour partir en gobelet. Ouais. C'était la volonté de départ. Mais après nous, on n'avait aucune formation quand on l'a fait. C'est pas... On s'est dit, dans notre idée, on préfère avoir du gobelet, quitte à ce que ça prenne de la place. Au moins on a l'accès. Plus d'accès, moins d'échelle et tout ça. C'est pas forcément. Le gobelet, moi je trouve que c'est hyper exigeant. Parce qu'en fait, on se retrouve avec une concurrence folle. C'est ça. Au niveau végétatif. On a plusieurs arbres très côte à côte. Voilà, c'est une futaie qu'on a à gérer, ouais, alors que normalement, on a géré un seul individu. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je trouve assez peu logique de fonctionner comme ça si on n'a pas une taille fruitière dirigiste. En se disant bonjour à un fruit, bonjour à un bois, je plie, je décache, j'écarte. Ouais. En fait, l'idée c'était de multiplier les spots de fructification. Ouais. C'est ça en fait. Ouais. Hein, avoir moins haut, mais en fait, ils montent peut-être même un peu plus haut. Puisqu'en fait, comme ils se concurrencent les uns les autres, et au lieu de s'étaler, ils se concurrencent. Donc, au lieu d'avoir des strates de fructification étagées comme ça, tu te retrouves à avoir des multistrates croisées les unes dans les autres. C'est hyper compliqué à gérer. En tout cas, on a une mortalité de l'apex ici, et mortalité de l'apex ici et ici. Hein. Oui, ça, c'est ça fait beaucoup pour le même endroit. Quand même. Ouais, ouais. Ça fait beaucoup pour le même endroit. Même si quand on regarde ça, on s'aperçoit quand même que ici, on a un peu ce comportement-là aussi. Ouais. Hein, ouais. Est-ce qu'à la limite, dans cette situation-là... Et ici, on a ce comportement-là, là. Ouais, ça se divise en trois comme ça, là. Bon, mais en fait, on est en présence de ben, tu vois, c'est marrant parce qu'on l'avait pas, on l'a pas vu avant. Ça le fait partout, en fait. Hein. Oui, voilà. Okay. Donc ça veut dire qu'on a un mode de développement qui est sympodique. Ouais, sympodial. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en plus... Voilà, est-ce qu'il faut laisser toutes ces branches comme ça ou est-ce qu'il faut en sélectionner et en enlever? C'est vrai que ça fait beaucoup de monde à cet endroit-là. Là, on aurait peut-être pour lumière, mais surtout principalement pour un souci mécanique, pour le futur, de peut-être en supprimer une ou deux là, sur cet espace-là. On pourrait. Hein. En même temps, celle-là, elle est relativement... On pourrait très facilement supprimer celle-là, mais en même temps, elle est relativement dominée, donc ça ne va pas avoir un impact très fort. On pourrait peut-être supprimer assez facilement celle-ci aussi, de manière à avoir un peu plus enfin, un peu moins de changement d'axe et de confusion sur après, voilà, quand on supprime ça, du coup... On a plein de rejets à cet endroit-là. Et après, puis, on a l'insertion, là, qui vient nécroser, quoi, quand même... assez profond, du coup ça fait quand même un angle nécrosé, du coup on a les deux qui sont fragilisés dans ce sens-là. Oui, mais on est vraiment, encore une fois, plus fragile que comme ça. En fait, assez rapidement quand même, sur ce diamètre-là, par rapport à l'âge de ton arbre, ça va se recouvrir. Il ne faudrait peut-être pas le faire dans 4-5 ans, oui, mais voilà. De le faire maintenant, c'est vraiment totalement possible. Hein. Alors, ce serait envisageable de supprimer ça, en plus il y a plein de chancres là, bon. De faire ces quelques coupes, on pourra s'amuser à les faire demain. Hein. On pourra faire des ateliers justement d'essayer de voir et de se projeter dans la charpente. Parce que tout ça c'est de la charpente. Hein. Ça c'est ad vitam aeternam sur l'arbre. Hein. Donc en fait, est-ce qu'on est prêt à avoir ça ad vitam aeternam? Il faut se poser la question. Ça plus ça plus ça, on est sur les trois dans le même acte, là, bon, bah, oui. On n'est pas obligé de supporter ça. Et ça, ce qui part vers l'intérieur comme ça, ça te gêne pas? Ça rend pas un problème? Et voilà, c'est ça la question, c'est que systématiquement, on nous parlait de vider l'intérieur, d'avoir une espèce de puits de lumière. Le risque, c'est en fait, c'est de se retrouver avec une forêt de rejets comme celui-ci à l'intérieur. Là. Alors d'en avoir un, c'est bien, parce qu'on continue à restructurer, à permettre à cette branche-là d'être remplacée. Mais si je coupe et que je vide l'intérieur, j'enlève ça, et je vais me retrouver avec une grosse forêt de rejets très importante. Et c'est pas l'idée. Et ça peut être transitoire, mais pour être tranquille, il vaut mieux accepter que l'arbre soit fermé en haut. Si on doit faire des puits de lumière, c'est des puits de lumière qui sont dans l'axe du soleil, quoi, en quelque part. Hein. Donc si on veut que le soleil traverse, il ne traverse pas vertical le soleil, hein, il traverse penché. D'accord? Donc il traverse, il y a la course de soleil, elle est comme ça. Et donc l'idée, c'est plutôt d'avoir des percées traversantes pour arriver à avoir de la lumière de l'autre côté. Mais le vertical, ça n'a pas de sens vraiment. Et en plus de ça, on déstructure l'arbre et on fait en sorte que ce genre de branche là, qui est très feuillée là, qui est pleine de feuilles, elle fait énormément d'ombre à ce qu'il y a derrière. Ouais. Donc en voulant ouvrir, il y a des fois on a plus de densité que... Alors qu'une vieille branche, c'est moins de feuilles et donc moins d'ombre.
Et puis elles sont plus réparties et ouais. Et le chancre là ou la gommeuse, tu fais quoi? Ben on peut s'amuser à faire quelque chose, mais là bon moi j'ai pas la sensation que ce soit prépondérant sur cet arbre là. Mais si ça l'était, faudrait peut-être imaginer pulvériser du cuivre très très tôt au printemps. Mais tant que c'est pas plus que ça, moi j'ai tendance à me dire laissons faire. Et plutôt travailler sur la diversité microbienne du sol. Ouais. Après donc ils reçoivent des traitements quand même, on fait des traitements de prêles et de voilà. On fait des traitements pas mal. Hein, donc ça c'est bien. Prêles, fougères. Prêles, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ouais. Surtout prêles qu'on soude, badigeon biodynamique. Ah ouais, sur les troncs et ouais, tout. Sur les troncs, enfin voilà, on a deux, trois. Badigeon c'est une bonne c'est dans la bonne direction. Donc badigeon biodynamique en plus, donc ça veut dire que vous apportez pas quelque chose qui va tuer le champignon, mais plutôt vous cherchez à occuper l'espace. Hein. Donc occuper l'espace microbien, parce qu'il y a deux stratégies de badigeon. Un badigeon qui va être un badigeon curatif, on va chercher à attaquer directement le problème et donc à mettre des substances fongicides, ça peut être un cuivre, ça peut être aussi, si on a envie d'y aller un peu plus cool, des huiles essentielles, hein, on peut intégrer des huiles essentielles fongicides dans le badigeon. Et puis après, bon, toutes sortes de préparations. Et après, on a des badigeons qui peuvent être des badigeons plus... je dirais des badigeons qui anticipent ou qui sont antagonistes par rapport aux maladies. Et donc, c'est des badigeons qui vont occuper l'espace. Donc, l'idée, ça va être un badigeon qui va être chargé en micro-organismes plutôt positifs et qui vont occuper l'espace et qui vont limiter la propagation de champignons comme les chancres qui sont agressifs pour la plante, quoi. Plus on occupe l'espace, plus on a de diversité, moins on a de problèmes. Donc c'est ça l'idée, c'est l'idée de la biodynamie directement, hein, vraiment. Au moins de simuler la diversité. Ouais. Enfin, disons de faire croire à la biodiversité pour la favoriser. Ouais, ça marche sur le sol. Oui, c'est ça, ça marche sur le sol. Ouais.